Ma manière de travailler n'est pas une manière de travailler sur une thématique réelle, c'est une thématique qui est générale et sur des choses qui m'intéressent sur le moment. Donc je ne travaille pas sur, mais je travaille avec. Comme je dis souvent, en fait, je crois beaucoup à l'anecdote, au signe du quotidien, à l'anecdote, à la symbolique populaire. Et surtout à l'enregistrement que je peux faire, pas d'une manière photographique ni filmique, mais d'une manière mentale, des voyages que je fais, et qui après sont présents dans mes dessins, soit d'une manière ironique ou onirique. Enfin, j'essaye de retransformer, non pas de rendre beau, mais de retransformer d'une manière mythologique. Les choses du quotidien, donc. Je dessine parce que je fais de la bande dessinée et c'est uniquement pour ça. Je ne suis pas sûr que si je ne faisais pas de la bande dessinée que je dessinerais. Donc si j'ai appris à dessiner, c'est vraiment pour faire de la bande dessinée, rien d'autre. Donc, ce que j'ai surtout envie, c'est de raconter des histoires en images et c'est ma motivation première et voilà. La bande dessinée m'a toujours fasciné, déjà enfant, enfin dès que je savais lire, j'ai lu des bandes dessinées. Et ça m'a toujours intéressé de raconter par des images. Et dès que j'ai commencé à dessiner, c'était pour faire des petites histoires. Bon, c'était des petits strips très courts, 3-4 images, pas plus. Et ça m'a... Bon, j'ai fait ça pour m'amuser au départ parce que j'aimais bien. Et puis quand j'ai vu que ça évoluait, que le dessin s'améliorait, que j'avais plus d'idées, là j'étais vraiment motivé pour apprendre à dessiner vraiment. Et voilà. Mais c'était uniquement vraiment pour raconter. En fait, il n'y a pas vraiment de point de départ. Hein. C'est-à-dire que souvent, voilà, pour ce tableau-là, j'ai commencé effectivement par le personnage central. Et après, c'est de l'écriture automatique. Donc en fait, les choses viennent comme une résonance. Chaque sujet vient comme une résonance, soit dans la composition, soit dans le sujet par rapport à l'autre. Quoi. Donc voilà. Ce que je fais depuis les Beaux-Arts, c'est que je ne me suis pas. J'ai essayé que mon travail, la première notion de mon travail, soit le fait que je puisse pas être limité dans les sujets que j'aborde. C'est-à-dire que là, je peux travailler sur, je sais pas, un œil, un crayon. Voilà, tous les sujets sont possibles et inimaginables dans ce monde où l'agencement des personnages, en gros, se fait par le spectateur. Moi, je propose. C'est-à-dire que les peintures sont des propositions, après, c'est le spectateur. C'est, pour moi, c'est au regardant de se créer sa propre image. Donc, j'ai une opinion de ce que je fais, mais disons que je fais une proposition d'histoire. Voilà.